Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour vous faire une vidéo haul scrap. Donc voilà. Donc j'avais commandé début du mois dernier, je crois, sur Craftly. J'avais pas eu le temps de filmer et tout. Donc voilà, je filme enfin la vidéo. Donc il y avait déjà pas mal de choses que je voulais qui étaient en rupture. Donc j'ai vite commandé pour pouvoir avoir des choses d'Halloween parce que sinon c'était impossible. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bah, déjà en cadeau, on avait. Je pense que tout le monde l'a promis, la serviette en cadeau. Donc je suis trop contente parce que je la voulais, parce qu'elle est trop belle. Par contre, je vais pas l'ouvrir parce que je vais peut-être l'ouvrir pour celles qui la connaissent pas, mais ça va faire beaucoup de bruit. J'aurais dû l'ouvrir avant. Je sais pas si vous allez la voir en grand, mais donc voilà. Hop, elle est trop belle. Donc bah moi elle me servira l'année prochaine. Hein. Mais elle est trop belle. Hop. Elle est hyper grande en plus, donc c'est cool. Franchement elle est super belle, donc c'est trop bien. J'étais trop contente. Alors déjà pour commencer, j'ai pris de la collection de chez Artemio. Donc Halloween, donc il y a tout cela dedans. Par contre je me souviens plus les prix, mais je crois que ça c'est en réduction, c'était à 3€ et quelques, il me semble. Attendez si je trouve la facture. Ah mais il n'y a pas les prix sur la facture. Non, il n'y a pas les prix. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai pris ça. Oui, en cadeau, on a toujours la petite sucette en forme de cœur. Et on a toujours une petite carte. Elle est super jolie. Et là, il y a un petit dépliant comme ça. Pour leurs produits à eux. Donc voilà. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas commandé dessus. Très longtemps même. Donc je vais vous montrer. J'ai pris beaucoup de die cut et des feuilles. Donc j'ai pris de la collection Rosie Studio. Franchement, j'adore trop ces collections. Donc j'ai pris celle-ci. Donc c'est un peu pour le thème de la rentrée. Je vais vous montrer là tout ce qu'il y a. Franchement, il y a l'air d'en avoir pas mal. 226 pièces. Donc ça fait pas mal. Donc voilà, il y a tout ça dedans. Donc c'est trop cool parce que c'est pareil pour trouver des choses pour la rentrée. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à chaque fois, c'est chiant. Pareil, de chez Rosie Studio, j'ai pris. Donc là c'est World of Earth. Là c'est This is US. Donc c'est celle-ci. Donc il y a des fleurs, des renards, un peu tout. Voilà, il y a tout ça dedans. Là il y a 164 pièces. Mais il y avait déjà plein de choses en rupture, c'est très dommage. Là j'ai pris des fleurs en die cut, pareil de la même collection. Donc il y a tout cela dedans. Donc là il y en a 70. Après j'ai pris de la collection Twinkle, je ne sais pas comment ça se dit. Moi et l'anglais je suis nulle, donc vous la voyez là. Pareil de chez Rosie, franchement, ces collections, elles sont super belles. Donc voilà, moi j'adore les die cuts. Donc voilà, pour les die cuts, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc du coup, j'ai pris les feuilles de la collection Tizzy US. Donc voilà, je sais plus à combien c'était, franchement, je sais plus du tout. Donc j'ai pris les 30-30. Donc vous avez tout cela à l'intérieur. Voilà. Alors. Bon, en bloc de papier, j'ai pas pris grand chose parce que, comme je vous ai dit, il y avait déjà pas mal de trucs en rupture. J'ai pris la collection de chez EcoPark Halloween. Donc c'est celle-ci, franchement, elle est trop belle, mais je crois qu'il n'y avait plus. Du coup, là, il y a les stickers derrière avec. Donc ça, c'est trop cool. Donc franchement, ils sont trop beaux. Et, ouais. Voilà. Mais il y avait déjà trop de choses en rupture. J'ai dit, mais en fait, il faut commander au mois de juin, quoi, Halloween, en fin de compte. Et en fait, j'ai commandé, j'ai commandé des choses seules. Donc, pareil, ça, il y avait, j'avais mis dans mon panier, il y avait plein de trucs en rupture. C'est de la collection Prima. Donc là, Halloween, elle était trop belle, en plus, cette collection-là. J'avais mis dans mon panier le bloc, le petit bloc et tout, tout est parti. Donc j'ai pris que des papiers qui restaient séparés. Donc voilà.
Franchement, elle était magnifique en plus, cette collection-là. Mais en fait, en quelques jours, quoi. J'avais mis dans mon panier en quelques jours. J'avais fait, bon, bah, du coup, c'est pour ça que j'ai commandé. Parce que je me suis dit, je vais rien avoir. Celle-là, elle est trop belle. J'ai pris en double, du coup, celle-ci. Après, j'ai pris quoi sur l'automne? Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de papier non plus sur l'automne. Et c'est de chez qui ça? Made in America, je sais pas. Welcome Autumn, je sais pas du tout, non. Cartabella, c'est ça. Voilà, celle-là, je la trouvais trop belle. Parce que c'est vrai que c'est difficile ici de trouver des choses automne. Donc j'ai pris pareil de la même collection. Donc là, un peu avec des citrouilles aussi. Et derrière, il est comme ça. Et j'ai pris de EcoPark, pareil, j'en ai repris comme ça. Je sais pas si ils sont dedans, mais comme ça, j'aurai en double. Des fois, j'ose pas non plus utiliser, mais bon. Et j'ai pris aussi de EcoPark celle-ci. Voilà. Et du coup, j'ai repris des stickers. C'est de EcoPark, mais je pense que c'était une autre collection. La Halloween Party. Donc voilà. Comme ça, j'aurai quelques trucs de Halloween. Parce que c'est vrai que franchement, ici. Bah, on trouve rien là, je suis allée, je vais vous dire vite fait ce que je suis allée vite fait à Pickwick. Je voulais y aller depuis un moment pour voir ce qu'ils avaient, ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Et du coup, j'ai quand même aussi trouvé des trucs, donc je suis contente. Donc là, pour Craftly, c'est tout ce que j'ai pris parce que bah, il y avait trop de choses déjà qui avaient plu. Donc là, à Pickwick, j'ai trouvé ce bleu, quoi, ces feuilles, parce qu'en fait, il n'y en a que 6 dedans. Donc je trouvais 6 et j'ai payé ça 4 euros, je crois, et quelques. Donc je trouvais ça cher, mais bon, je me suis dit je vais les prendre parce que j'ai en plus là j'ai plein de choses Halloween à faire. Et j'ai trouvé d'autres. Voilà, ils me parlent forme en papier die-cut quoi. Donc voilà, c'est pas les mêmes. Donc voilà, 4 euros je crois aussi, 3, ouais. Et du coup, j'ai trouvé de chez Toga des die-cut aussi, voilà, qui font automne. Donc j'étais contente de trouver cela parce qu'en plus il y a un peu de citrouille aussi dedans et tout ça. Donc ça peut faire les deux, donc ça j'adore moi les deux chez Toga, mais franchement, même à Cultura, maintenant il n'y a plus rien du tout. C'est dingue quoi. Et en fait, maintenant il va falloir que commander quoi. Donc c'est un peu chiant quand même. Et c'est vrai que sur Craftly, bah, vous payez les frais de. Bah, les frais qu'il y a en plus. Parce que du coup, vu que c'est en Espagne, je crois que j'ai payé quand même bah, pour les frais presque 10 euros, je crois. Donc ça monte vite quand en fin de compte, ça chiffre vite. Si vous prenez une grosse commande. Voilà quoi. Donc voilà, je pense que je recommanderais peut-être pour Noël. Mais bon, franchement, ça part hyper vite. J'ai halluciné quoi. Je voulais plein d'autres choses. Mais bah, dans mon panier, quelques jours, je voyais, c'était déjà plus là. Donc c'est un peu dommage qu'il. Je ne sais pas s'il y a assez de stock ou si beaucoup commandent, mais ils devraient prévoir beaucoup plus en fin de compte, du coup. Enfin. Donc voilà. J'espère que mon petit haul vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye bye.